c'est parti. Donc, eh ben, tout est fonctionnel. Félicitations. Vous savez comment le DNS fonctionne. Parfait. Alors. C'était www.psurg.fr. C'est celui-là. Alors. Donc, on a. Ouais. Eh ben, on va faire ça. On va faire un truc facile. J'ai besoin d'un nouveau serveur. C'est censé être le serveur 5. Et à quoi peut-il bien servir ce serveur 5? Eh bien, il va héberger un autre site internet. Pas du tout. PSG.fr. Alors, allez. Et ben bon, voilà, moi j'ai que ça à dire. Alors, je vais peut-être l'écrire en majuscule pour que vous voyez mieux, mais bon, normalement ça va. Hop. Donc, dans le LAN 2, vous faites un nouveau serveur qui hébergera le site internet http://www.domxy.lan. Vous vous souvenez exactement par quoi remplacer XY? Par vos initiaux. Exactement. Vous faites un nouveau serveur qui sera un serveur web qui va héberger un autre site web. Voilà. Et évidemment, il faut que tous vos ordinateurs, quand ils tapent www.domxy.lan, ça affiche le site internet hébergé sur le serveur 5. Voilà. Des questions? Moi qui pensais que vous vouliez me proposer d'aller boire une bière et tout après qu'on se fasse un resto, mais en fait non. T'es chaud? La semaine prochaine? Non, mais la semaine prochaine il raclette déjà. Tu m'as dit cheat meal une fois par semaine. Eh ben j'ai dit un jour par semaine. Ah, ça peut être la journée entière? En général c'est, on dit deux repas par semaine. Donc en général c'est par exemple ou tout le samedi ou le vendredi soir et le samedi soir, tu vois. Ah ouais, tu peux en enchaîner deux. Pas ouais, mal, ça. Déjà si t'arrives à bien bouffer pendant 5-6 jours, c'est pas évident, tu peux te relâcher une fois par semaine. Ah merde, j'avais pas compris. Parce que moi, quand tu me dis si t'arrives à bien bouffer, bien bouffer, j'appelle ça le claquage de ventre. Hein. C'est ça, bien manger. Bien manger, c'est. Alors, ça m'a fait sourire quand t'as dit si t'arrives à bien manger pendant 5-6 jours, et moi j'ai bien mangé pendant 50 ans. Alors, je veux dire que 5-6 jours, c'est rigolade. Et pour moi, bien manger, c'est 6 repas par jour. Alors, comme je te dis, bien manger, c'est manger. Le problème, c'est qu'on n'a pas la même norme. Exactement, pilier numéro 1. Qualification. Et là, c'est aussi communication parce qu'on a beau utiliser les mêmes mots, ça veut pas dire la même chose. Exactement. Ah non, mais ça, oui. Ah, pour moi, bien manger, c'est. Tu commences par la charcuterie déjà, hein? Ouais. Ah, un petit peu de rillettes d'oie. Voilà, c'est régalade. Pâté de campagne. Ça, c'est juste pour la mise en bouche. Le jambon de truie, c'est pas mauvais. Ouais, le jambon de truie. Le jambon de truie. Le jambon de truie. Ouais, que ce soit le mâle, c'est fait à la femelle. Ok. Attends. Alors excuse-moi, mais j'apprends quelque chose. Non mais tous les jours il nous apprend un truc. C'est ouf quoi. C'est lui qui devrait faire les cours, je crois. Ce serait mieux, hein. Franchement, ce serait mieux. Mais non. Mais ma question, c'est dans le cochon qu'on mange, c'est que des mâles qu'on mange? Ah ouais? Je croyais qu'il y avait pas de. Enfin, on s'en foutait quoi. Mâle femelle, c'était pareil. Ah c'est que des cochons. Mais qu'est-ce qu'ils font des femelles? Je me pose la question ça. C'est comme quand ils trient les poussins, j'imagine. Oui, les poussins, parce qu'il faut que des poules pour pondre les œufs. Donc bon, ça finit à la déchetterie. Enfin, ça finit en surimi ou en je sais pas quoi. C'est... Non, mais je suis. Je suis. Je suis éboubé.
Parce qu'autant chez les vaches, c'est facile, le mâle, on en fait un bœuf, et la femelle, c'est une femelle. C'est différent. Mais au bout d'un moment, quand t'as envie de faire les bébés, on fait goût. Eh ben, je savais ça. Hein. Ouais, mais tu vois, en fait, tu fais pas du jambon en premier, c'est en fait, c'est une jeune truc, tu vois. D'accord. Ah bah, ça perd les paupiètes. J'ai jamais fait une jeune truc, tu vois. Jamais ? Bah apparemment ça a l'air super bon parce qu'il en parle. Ouais. Lui il a l'air amateur de jeunes truies. Et apparemment c'est très bon. Donc le jambon de jeunes truies ? Ouais, je ramènerai. Oh là là. Fais attention. J'ai dit s'il y en a, j'ai rajouté. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est là tu vas comparer à l'Iberico. Hein. Non, est-ce qu'on aura de. Ah non, moi j'en ai. Moi j'en mange. Hein. Donc si tu me dis c'est la folie, intéresse que ce soit au niveau. Ah non, c'est pas non plus. Ah ouais, ben bah c'est pas la peine. C'est pas non plus. Ah non, c'est pas la peine. C'est comme si tu me dis j'ai un petit j'ai un petit vin vachement sympa, c'est un petit Cahors, tu vas voir, il est super bon. Tu vas me donner du Cahors. Jette là ta vinasse. Non, c'est bon, moi je bois du Bordeaux. On est à Bordeaux, on boit du Bordeaux. Non, après, il y a des très bonnes appellations. Le grave, c'est pas mal. Arrête, c'est un rachat gosier pour lui. Mais non. Je suis sûr qu'il boit du Saint-Emilion. Je suis à côté. Et ben voilà, c'était sûr. C'était sûr qu'il boit du Saint-Emilion. Ça se voit. Si tu veux, il y en a de l'autre côté, il y a du Grave de Verre. C'est très bon le Grave de Verre. De Verre, ben justement, c'est au sud de Saint-Emilion, t'es sur la route de Libourne, ouais. Vers Béchac et Caillot. Par là, t'as une toute petite appellation qui s'appelle le Grave de Verre, c'est V-E-Y-R-E, Verre, vers la ville, en fait, c'est vers là, c'est vers. Et c'est très, ça ressemble beaucoup au Grave, justement. Donc, comme quoi, même rive droite, il peut y avoir du vin pas trop dégueu. C'est possible. Oui, je suis de mauvaise foi, je sais. Ah bah là, il y a tous les vignerons de Saint-Emilion qui vont appeler. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est là, ils vont se faire allumer, là, au standard. Entre l'ICAM et le standard. Ah ouais, non, mais moi, c'est Radio Hater, hein. C'est au standard. Tout ceci n'est que de l'humour. Tout ceci n'est que de l'humour. Mais il faudra que je dise à chaque fois. Alors, je rappelle qu'on ne fait que des blagues. Tout est faux. On n'en pense pas un mot. Un petit bandeau. Ah, mais oui. Ah bah je vais rajouter ça, je vais rajouter un bandeau. Petit bandeau, avertissement. Non, on devrait même dire c'est que des blagues en fait. Tout est faux. Un but pédagogique, tu vois. C'est ouais, ouais, c'est de l'humour. Ouais. C'est de l'humour pédagogique. Non, c'est quoi la phrase si cette situation vous fait penser à une personne ou à un truc déjà. Ah oui, c'est pas mal ça. Ça c'est bien. Toute situation est complètement fortuite. Voilà. Exactement. Tout voilà. Est fort. C'est pas mal ça. C'est une web-série. Ouais, on fait ça aussi. Une web-série. CNCT, c'est ça, mais c'est une web-série. C'est une web-série. Que l'humour. C'est bon, ça fonctionne. Des concertants de facilité. J'avais une question. Ah pardon, t'avais une question. Autant pour moi. Je t'écoute. Ça a fonctionné sans qu'on aille retoucher au DNS du serveur DHCP. Tu me suis ou pas? Ben je te suis, mais j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus précis. Quand tu parles du DNS du DHCP, t'as un petit peu plus précis à me proposer? Tu sais, quand on a configuré la première étendue. Voilà. DNS. Donc tu parles de quoi dans les étendues? La zone d'hébergement. Non, raté. L'hôte. Non plus. Non, les étendues. Tu me parles d'un truc dans les étendues, là. Ouais. Quoi, plus précisément? Si j'ai bien compris, tu me dis tout à l'heure, ouais, on a fait une modification dans le DHCP. Oui. Est-ce que tu te souviens quelle modification on a faite? Oui. Laquelle, je t'écoute? On a configuré son DNS préféré. On oui. Ah, tu parles du DNS préféré du serveur DHCP. Oui, c'est ça. D'accord. Et tu t'étonnes que quoi ait fonctionné? Alors, le problème, c'est que j'ai pas vu le test que tu as fait, donc tu vas me montrer. Tu vas me montrer le test que tu as fait. Non, mais c'est bon, ça se trouve, c'est bon ce que tu as fait. Non, mais c'est bon, pas. Mais je t'ai pas pris. Juste... Pardon. Excusez-moi. Alors, attends, j'arrive. Donc, tu me dis. Oui, allez. Oui, vas-y. Allez. Montre-moi ce qui fonctionne et qui t'étonne. Ce qui fonctionne, c'est ça. Déjà, je comprends pas. Je comprends pas. Tu me dis, je comprends pas pourquoi j'ai pas. Il faut pas remodifier le DNS du serveur DHCP. Arrête-toi. Non, mais arrête.
et tu fais le test sur ton client. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quoi le rapport? Il n'y en a aucun. Eh ben, il n'y en a aucun. Bah, effectivement, ça n'a aucun rapport. Ouais. Donc, c'est bon, je peux te répondre. Mais ça n'a aucun rapport. C'est pas les mêmes machines. On pourrait rajouter un autre DNS préféré au serveur? Alors, on pourrait, mais juste une question. T'as écrit DOM LBB, c'est normal? Ouais. C'est tes initiaux, LBB? Oui. Ah, d'accord. Lévi Bachir Bey. Bah, d'accord, pas très bien. T'as un nom de famille composé. Exactement. LBB, alors, va pour LBB. Manifestement, ça fonctionne pas. C'est ça. Du coup, je vais reformuler ma question, enfin, j'ai complètement changé de question. Alors, nouvelle question, oui, vous avez une question? Oui. Je vous écoute. Est-ce que c'est possible que un serveur DHCP. Ah, ouais! Ah, la méga boulette! Ah, carrément, ouais! Mais je me demandais si j'avais bien fait. Non, non, bah oui, t'as fait de la merde, effectivement, je te le confirme. Mais ça a quand même fonctionné. Ouais, mais t'as de la chance, parce que t'as pas fait du tout ce que j'ai expliqué ce matin. Ok. Est-ce que tu peux retourner dans ton serveur, l'option là, serveur DNS? Ouais. Double-clic dessus. L'option serveur DNS, ça sert à configurer quel type de serveur? C'est l'adresse de quel serveur qu'il faut mettre dedans? DNS. Des serveurs DNS. Donc là, je vois 172.16.3. C'est l'adresse IP d'un serveur DNS. Oui. 10.13.0.101. C'est l'adresse IP d'un serveur DNS. Non. Pardon? Non. Qu'est-ce que ça fout là? Rien à voir, effectivement. Pourquoi t'as mis l'adresse IP d'un serveur qui n'est pas un serveur DNS dans la liste des serveurs DNS? Why? 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 Pourquoi tu fais ça? Il y a écrit serveur DNS. Faut mettre l'adresse IP du serveur DNS. C'est tout. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, oh là? N'importe quoi. Et qu'on sait que ça fonctionne quand même. Ah. Parce que sur ton client... Sur mon client, ça m'a quand même. Stop. Laisse, je peux expliquer? Oui, oui, vas-y. Merci. Serveur DNS, t'en as combien? Un seul. Ah ouais, alors c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien, parce que moi j'en vois deux. Lis ce qu'il y a écrit là. Est-ce que tu vois la ligne serveur DNS? Ah oui. Il y en a combien? Deux. Voilà. DNS préféré, DNS auxiliaire. Il interroge le préféré d'abord. T'as de la chance. Allez, fais-moi un release renew là. Déglingue ça là, que ce soit correctement configuré. IPconfig slash all, s'il te plaît. Dans le serveur, tu peux directement la NCPA, mais c'est mieux. C'est mieux. Et ça fonctionne. Oui, de ton DNS. Okay. Athlète? Ah, je suis chaud. Alors, fonctionnaire test? Pas encore entendu, je le renomme et tout. Ah oui. Ah putain, mais j'ai pas mes lunettes depuis ce matin. Hein. J'ai fait mes lunettes. Et c'est pour ça que le monde est flou autour de moi. Putain, je les ai posées. Tes lunettes? Ouais, elles sont pas sur mes yeux. Non, non, pas du tout. Ah.
Putain, j'ai oublié de le brancher. Mais ça... Je reviens dans 5 minutes. Je vous laisse finir. Quand je reviens, c'est fini, hein. Ça fonctionne. Ça ping. Et en gros, on va les attribuer. Ça me plus que toi. C'est mon client. On va attribuer les IP. Et Nike qui va utiliser. Tu peux faire Il y en a qui va. Parce que toi-même, t'es pas sûr de ta. Bien, on fait un chiffre oublié, mais tu perds alors qu'il pose la question. Ah ouais, on va le configurer, non? Non, on va faire un chiffre. Allez, tu poses la question. Déjà le premier problème. Je t'ai eu là. Un. Ouais.
Si. Attends, il y a quoi? Il y a la feuille. Il n'y a pas le puits. Tout sauf le puits. D'accord. Deux. Deux. Je peux faire un ping. Pourquoi? C'était une meuf. Ouais, parce que dans. Si. Qui a déjà sur le match. C'est mon privilège. Moi, je vais lui poser une question. C'est ça comme j'ai dit. Oui. Et oui, parce que après, sinon, ça des blagues bien machistes, voilà. Comme ça. Donc, faut qu'on mieux compenser. Donc, vous avez questions. Mais par contre, ce que je pense. Faudrait qu'il me fasse un schéma en fait, du passage, enfin du lien avec les deux services. Eh oui, je vais trouver. Ça, c'est l'adresse du serveur web. Parce que pour moi, je suis encore préparé à monter. Merci. Ouais, je préfère faire des questions sur ça. Pour moi, si t'as une adresse FTE, ou le Tahiti, je sais pas quoi. T'as une adresse comme ça. Fully Quality Domain. Non, j'ai pas eu. T'as ça. Ça, pour que ça, elle fonctionne, cette adresse. Il faut qu'elle ait une adresse IP. Et c'est à ça qui sert. Voilà, c'est le DNS qui sert à ça. Donc, du coup. Mais ce truc-là, ce machin, il est hébergé déjà dans le 2S. Le 2S, c'est un peu un recueil d'informations. Donc, tu vas créer le. Et le 2S, c'est quoi? C'est le serveur web, là? Le 2S, c'est le serveur qui héberge les sites web. Oui, c'est le serveur web. Donc, en gros, tu crées ton. Quand tu vas sur une URL, lui il va demander l'adresse IP au DNS et le DNS il lui dit c'est cette adresse IP qui va avec toi. Mais pas c'est tel. Donc tu, non, vois, tu vas poser ta question. J'écoute activement. Activement. Ouais. Donc, on mais après je vais. Non, mais on va proposer la question. Si c'est pas. Sinon je fais comme tout ça. Oui, tu as raison. Alors, t'as bien compris. Mais je pense avoir un peu compris. C'est... Bah, vas-y, explique-moi bien. Alors, le service 2S, il va héberger le site web. D'accord. Il va héberger le site web. Des applications web. Ouais. Il sert à ça. Ouais. Quand. Là, ce qu'on est en train de faire, par exemple, pour aller sur www.gg.fr. On le prend grâce, enfin, on prend ce site culturel via le 2S, et ce qui va payer, c'est le serveur 2S qui va connecter l'URL en IP pour aller sur ce truc. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Donc on est d'accord sur ce point, mais faut qu'on, moi, je pense qu'il faut qu'on clarifie quand même. Je vais vous reposer la question. Sur le chemin des droits, sur le chemin. J'ai retenu celui-là. De quoi, de Rome? Tout le chemin de Rome? Non, pas le Rome, c'est la colline. C'est tout. Moi, je ne bois pas, moi. Ah, mais non plus. Oui. Ce soir, un peu. Ouais, sûrement. Un peu. Un peu. Oui. Avec modération. D'accord. J'attends de boire lundi. Non. Non, mais toi, tu me prends quand même compte. Chacun son truc. Je suis matérose, t'es un alcoolique. Chacun ses qualités. Voilà. Suivant. Ça
ça pile ton truc là. Non. C'est une question, n'est-ce pas. Putain. Alors, enfin, alors j'ai pas pied de NCP à la prochaine. Non, bon, normalement, Manu, ça va? Je viens de faire mon truc là, pour le serveur web. Mmh. Je sais pas comment on fait de... pour créer la page. Je sais plus. Mmh. Outils. Ah non, t'es sur ton serveur simple. Non, ouais. Tu vas dans ton dev. Donc, le sur le deux. Et après, le refaire, tu sors un peu sur le vaisseau. Oula. C'est tombé là, d'un côté. On va le checker ici. Ah, c'est là où je rajoute les zones de recherche qui prennent dans les zones. Parce que lui, il reçoit pas le DHCP. Peut-être que tu l'as pas vu. Enfin, ça, moi, je vois ça comme un truc. Ah, ouais, tout à fait. Je vois que ça. T'as dit, toi, c'est ça fait combien? C'est le serveur? Oui, t'as vu quel. Yes. L'hébergeur de... c'est le 2... Oui. 4. C'est le 2S. Et ça, c'est un serveur. C'est 2S. C'est Internet Information Service. Je mets mes clients là-dessus. Moi, je pense avoir... Information... Service. Et c'est un serveur ou Google Chrome? Oui, c'est un serveur. Ça s'écrit comme ça là. 2IS. C'est 2I. Ah, il y a 2I. Internet. Oui, information. Et oui, c'est obligatoirement. Et c'est un hébergeur de site web. Parce que sur Linux c'est autre chose. Ok. Serveur 5, c'est serveur 2. C'est même pas qu'on peut la modifier. C'est comme les étendues, ça se passe. Est-ce que. Bah, tu vas sur ton serveur web. Ça pique ? Et tu peux... C'est déconcertant de faciliter tout ça. Ouais. T'es demi-habillé. Eh oui. Ça ping. Partout. Ça ping ? Eh bah nickel, on va mettre la suite alors. Oui, mais c'est toi le plus important. Si toi ça fonctionne, c'est bon. Les autres, tant pis. Hein. Même moi j'ai réussi. Ça c'est clair que ça va rester. Là pour le coup. Mais tu vois, même moi j'ai réussi. C'est humble. Alors que quand si tu dis, mais même moi j'y arrive pas,
C'est pas humble. Non, c'est pas humble. Eh oui. Parce que ton cerveau, il a compris l'inverse. Oui, évidemment. Encore une fois, d'ailleurs, c'est pas de ta faute. On rejette la faute sur les autres. Bien joué, toujours pareil. Non, mais tu vas pas me... Tu vas pas me le faire. Tu vas pas pouvoir me le faire à l'envers. Tu vas pas pouvoir. Tu n'as aucune chance. Non. Tu n'as aucune chance. J'en ai vu passer des mecs comme toi, hein. Plus d'un. C'est normal, on est déjà un maître. Ah non, je suis pire, moi je suis un maître. Oui, mais moi je suis humble. Enfin, oui. Mais non, c'est le serveur du G2. Alors, moi je sais que la règle numéro 1, c'est arrêter de se mentir à soi-même. Qui pensera? Moi je dis attention, pas de le dire. Oui. Tout à fait. C'est pour ça que je le fais, tu vois. Je dis, je n'ai aucune volonté. La raclette, ça va être une déglinguerie. C'est pas la peine de commencer à amener à bouffer, j'ai tout mangé. Ça marche. Ça. Qu'est-ce que tu l'as fait rire, c'est fou. Je ne sais pas ce que tu fais, mais ça l'a fait énormément rire. Ça marche pas. La même chose. Même chose avec ma femme ce matin. C'est vrai. Ben, je suis arrivé pour lui faire la bise pour partir. J'étais en tenue de cycliste. J'avais le casque, les lunettes, le blouson dégueulasse et tout. Elle était morte de rire. Je lui ai dit, je peux pas aller en costard faire du vélo. Les choses plus simples sont les plus drôles. C'est ouais. Tout à fait. J'ai 2-3 petites questions. Ah oui. Sur les mots? Non, pas sur les mots. Sur les femmes? Ça viendra. Là pour l'instant, sur l'informatique. Ah oui, alors là par contre, c'est pas ma spécialité. Hein. Là, admettons, vas-y, je t'écoute. Je sais pas, dans une entreprise, il y a son serveur. Oui. Le service web, c'est le 2IS. 2IS, oui. Qu'on va installer sur le serveur 5, par exemple. Par exemple, oui. Admettons, si dans une entreprise de 100 serveurs, je dois en installer. Tu ne peux pas automatiser les process si tu ne les maîtrises pas avant. Non, mais bien sûr. Il faut être capable de comprendre toutes les mécaniques et se dire ça fait 60 serveurs que j'installe à la main. Non, mais je me posais cette question. On va peut-être accélérer le système. Parce que moi, ce que je voulais. Je me posais cette question parce que, comme on l'a fait pour le serveur DNS, on pouvait aussi le faire sur ce serveur-là. Parce que quand j'ai installé le serveur 5, quand on a fait la manip du serveur DNS qui reçoit automatiquement sur les clients. Oui, alors, donc là, c'est complètement faux ce que tu viens de dire. Oui, je sais. On va dire la bonne phrase. Quand on a modifié l'option d'étendue dans le serveur DHCP. Dans le serveur DHCP, voilà, bah oui, c'est le DHCP. Mais le DHCP, c'est pour les clients DHCP. Oui, oui, non, oui. Est-ce que tes serveurs sont des clients DHCP? Oui. Non. Est-ce que les serveurs... Non. Fin d'histoire. Bon. Ah, faut trouver autre chose. Là, le problème, c'est que ta question, c'était j'ai installé le serveur 5. Pour moi, installer un serveur, c'est installer un système d'exploitation. Hein. C'est installer Windows. Tu as dit, on a installé le serveur 5. Quand j'ai installé le serveur 5, c'est ta phrase. Installer un serveur, c'est installer le système d'exploitation. C'est installer Windows. Oui. Ça n'a rien à voir avec configurer l'adresse IP. C'est deux actions différentes. Et ta question, c'était, est-ce qu'on peut automatiser l'installation de Windows? Et oui. Non, alors tu dis pas non d'abord, tu dis oui, c'est ce que j'ai dit, mais je me suis trompé. Ma question, c'est est-ce qu'on peut automatiser le serveur web 2S? Cette phrase ne veut rien dire. Est-ce qu'on peut automatiser le serveur web? Alors, c'est 2IS. 2IS, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, automatiser un serveur web? Par exemple, dans une architecture informatique, si j'ai une centaine de serveurs, que je veux installer le serveur 2IS. Alors, on va utiliser les termes précis. C'est ajouter le rôle 2IS. Ajouter le rôle 2IS, pardon. C'est comme ça que ça s'appelle, les mots ont un sens. Je manque de vocabulaire. Pourtant, c'est pas faute de le répéter, hein. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on a. Mais t'as de la chance. Raclette. Donc, si je veux attribuer le rôle
Automatiquement, voilà. J'ai 100 serveurs, je veux qu'ils aient tous deux IS. Est-ce que je peux l'automatiser? Est-ce que je peux l'automatiser? Oui, ça, ça s'appelle des scripts. D'accord. On peut faire des scripts qui vont automatiser une action. Et ces scripts, on les balance sur tes 100 serveurs, ça ajoute 2 IS sur les 100 serveurs. Oui, on peut le faire. Tu sais qu'on s'est fait. Nous a poucave, Big Brother. Comment ça, vous a poucave? Il t'a poucave à toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu es poucave. Ah, Shifumi pendant les pauses. Ah, ouais, oui, ça, merci Big Brother. C'est pour savoir qui pose la question. Voilà, l'humilité est la clé du leadership. C'est pour ça que t'es nul en leadership. Parce que t'es pas humble. De toute façon, t'as envie de me trucider depuis le départ. Ah non, parce que tu même toi, on va y arriver. Tu m'as mis une pancarte. Ça, c'est dans la case. C'est typiquement français, ça. Ah oui, bien sûr. Je t'ai mis dans un cahier. Alors, ouais. T'es dans le cahier noir. Ouais. Il va falloir que tu fasses des efforts pour quitter le cahier noir pour te mettre dans un autre cahier. Les efforts suffirent, quoi. Ah, au moins, tu peux tenter. Ouais, ça se trouve, non. C'est toi qui vois. Il va falloir que je fasse des fausses, ce truc, pour que... Je sais pas. Tu sais qui, la 2 IS? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Attends, mais t'as un peu une autre pièce? Ouais, j'avais une autre question. Ouais. Je t'écoute. Est-ce que tu peux expliquer via un schéma sur le tableau le lien entre serveur web 2S et 2IS. 2IS, pardon, et le serveur DNS. Enfin, à quel moment, enfin, l'utilité des deux. J'arrive pas à. Pas grave. Je comprends. De façon séparée les deux rôles. D'accord. Pas alors, à les associer. Très bien. Tu as compris les deux rôles séparément. Tu vas m'expliquer le rôle de IS. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? En bref. Ouais, en bref ou en long. En bref, à quoi ça sert? C'est, ouais. C'est pour héberger les sites web. Très bien. Comment un poste de travail accède au site web hébergé dans un 2IS? Comment un poste de travail accède? Il accède. Via l'adresse IP. C'est-à-dire que dans l'invite de commande, je tape une adresse IP. Donne-moi la procédure complète. Je suis sur mon Windows 10. Je veux afficher le fameux site qui est hébergé sur ton serveur. Brigitte doit aller sur le serveur DNS. Brigitte, un utilisateur. Non, mais il va sur le navigateur. Très bien. URL. Ah, qu'est-ce qu'elle écrit? URL. Quoi? Donne-la-moi. Le nom de domaine. Ah non. Là, c'est 2IS. Donc, tu te remets à ce qu'on a fait hier. Hier, Brigitte, qu'est-ce qu'elle a tapé dans son navigateur? Une URL? Non. L'adresse IP, elle a mis. Donc, son navigateur est allé ouvrir la page web qui est sur le serveur web. C'était la question de 2IS. À quoi ça sert, 2IS? 2IS, ça sert à héberger des sites Internet. Point. C'est tout. Ça ne fait que ça. Maintenant, le client, son navigateur, doit afficher le contenu de ses sites web. Comment fait le navigateur? Il faut lui mettre l'adresse IP dans la barre d'adresse. Est-ce que ça va? Oui, ça c'est bon. Le problème, c'est que mettre les adresses IP dans le navigateur, c'est chiant. C'est difficile de s'en souvenir. Donc pour aider Brigitte, on lui a dit, si tu tapais un nom plutôt qu'une adresse IP, plutôt que des chiffres, elle s'en souviendrait mieux. C'est là que le DNS intervient. Ton client, ton poste de travail, on va lui dire, quand tu as besoin de transformer un nom en adresse IP, tu interroges un serveur DNS. Et le rôle du serveur DNS, c'est transformer un nom en adresse IP. Point. Donc c'est ça les deux rôles. Le serveur web, le serveur 2IS, il sert à héberger des sites internet, des sites web. Le serveur DNS, il sert à convertir des noms en adresse IP. Ça s'appelle la résolution de noms. Il sert à résoudre des noms. Et donc on utilise les deux en même temps, les deux en parallèle. Mais chacun a son rôle, chacun a sa fonctionnalité. Est-ce que par exemple, le serveur web 2IS, il peut fonctionner si on n'a pas de DNS? Est-ce que le serveur 2IS peut fonctionner si on n'a pas de DNS? Ah oui, bien sûr. Mais ça va pas faciliter la tâche de Brigitte. Parce que Brigitte, qu'est-ce qu'elle devra mettre? Il faut qu'elle reconnaisse ses adresses IP. Très bien. Est-ce que le serveur DNS, il peut fonctionner s'il n'y a pas 2IS? Je dirais que non. Ah bon? Enfin, il peut fonctionner, mais il n'y aura pas de... Si, il peut fonctionner. Exactement. Le DNS, il peut fonctionner même s'il n'y a pas 2IS. Ce sont deux rôles en parallèle. Ils ont tous les deux une fonction différente.
Il se trouve que quand on surfe sur Internet, on utilise les deux. Est-ce que ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Là, j'ai même pas fait un dessin. Si tu l'as fait, le dessin. Ah bon? Non, mais là, il m'a demandé de refaire un dessin maintenant. C'est quoi ton numéro? Mais il m'a demandé de refaire un dessin maintenant. Donc maintenant, il m'a demandé, s'il te plaît, fais un dessin sur le tableau. Je ne l'ai pas fait. Tu vois? Eh oui, j'ai toujours raison. 79, tu vois, mais j'ai jamais dit j'ai pas fait de dessin aujourd'hui. J'ai dit sans faire un dessin au tableau, comme il m'a demandé. Ça va parce que j'aurais refait le même dessin. C'est quoi ton problème? Oui, oui, ça va. Encore une autre question? C'est Michel Drucker. Non, ça va. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça fonctionne partout sauf sur mon client. Yes, yes. Il va n'arrive pas à joindre le serveur DNS. Ah bon. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est lui qui a une adresse IP. Il héberge les sites internet. Et c'est vrai que lui, ce serveur, a une adresse IP. C'est vrai. C'est ça. Oui, mais il possède les adresses IP. Enfin, mais il a qu'une adresse IP, lui. Il a son adresse IP en tant qu'ordinateur. En général, je pense que c'est on est d'accord que chaque site web oui. a sa propre adresse IP. Ah, on n'est pas du tout d'accord. Faux. Ah, jamais de la vie. J'ai jamais dit ça. Parce que si Brigitte, jamais il n'y a pas le serveur DNS. Mais elle doit aller sur un site qui est configuré. Tout à fait. C'est d'ailleurs le cas là. C'est bizarre alors. T'as combien de serveurs web dans la maquette? J'en ai deux. Donc Brigitte, elle peut taper soit deux adresses IP, soit deux URL différentes. Je ne sais pas si je te rassure ou je t'inquiète, mais Olivier m'a demandé qu'on héberge plusieurs sites internet sur le même serveur. Et si tu regardes les options d'état. Et là, il y aura la même adresse IP. Il va falloir qu'on fasse quelque chose en plus. Mais on peut le faire. Donc non. Du coup, le serveur web, il a une adresse IP. 17. Okay, il pourra héberger plusieurs sites internet. Plusieurs sites peuvent avoir la même adresse IP. C'est exact. Exactement, tout à fait. Attends, mais c'est parce que t'es pas sur le bon. T'es pas sur le bon truc. Parce que là, en fait, t'es sur switch externe. Nous, on est sur les switches privés. C'est good for everybody? Yes? On est sur ça. Oh, on va pouvoir faire le donc truc. Donc je pense que c'est à cause de ça. Non, pas encore? Pré-config. Ah! T'en es pas, il y a un ticket? Tu vois, là, t'es en 101. Je crois que ces histoires de tickets, c'est en train de prendre l'eau. Donc là, je pense que ça va fonctionner. Essaye de rafraîchir les molles. Comment? Ah, de rafraîchir? Je rafraîchis les molles. Vas-y. Je suis en train de le dépanner. Je te laisse faire, aucun problème. Non. Ah, faut faire un release renew peut-être avant. Mais pourtant, non, il m'a mis en 100. Attends, on va sortir du citron. Mais toi, ce que tu veux, c'est pinguer. Tu t'es mis sur son écran, génial. Ouais. Très bien. Tu veux pinguer son DNS? Oui, en fait, je peux pas joindre le site. Et quand j'essaie de pinguer le serveur DNS, ça inconnu en détail. Il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il met exactement? Je sais pas. C'est plus haut. Mais là, tu peux pas te connecter, t'as pas internet. Donc dans tous les cas, ça fonctionne. Non, mais attends. Non, mais arrête. Aucun... Quand tu dis, ils n'ont pas Internet, tu parles du vrai Internet avec Google et Facebook. Oui. Aucune de vos machines n'ont un vrai accès Internet. Oui. Non. Mais on parle de nos sites web. Oui, mais ton site web, il a l'adresse du serveur 5. Il est sur... Le service IIS est sur le serveur 5. Ok. Le serveur IIS. C'est quoi ça? 2IS ou IIS, tu dis les deux. Non, mais c'est un serveur. On dit le serveur en général. On dit le serveur web ou le serveur 2IS. Comme tu dis, le serveur DHCP. Oui. Tu dis le serveur DNS. C'est quoi le... Moi, c'est quoi le... l'adresse... Attends, c'est tout le... C'est 172.16.0. De ton serveur? Et sinon, ton adresse, c'est www.domol.fr. C'est ça, je plante. C'est pas du tout ce que j'avais demandé comme nom de domaine. Oui, je sais, ouais, liberté, rébellion. Je vais pas revenir dessus, hein, c'est pas bien grave. C'est sur ton serveur 4? Ah non, il est là. Ton serveur 5.
Enfin, le DNS, c'est le serveur 2. Ah, ah bah, je sais pas qu'est-ce qu'il écrit sur le plan. Bah ça va pas, ce que t'as fait. Je pense. Bah ça marche sur tous les serveurs et sur tous les clients, sauf sur ce client. Oui, mais t'as dit que ton serveur 5, son adresse IP, c'est 172.16.2.1. Non, ça c'est non. L'adresse du serveur DNS. Ah, ok. C'est quoi l'adresse? Tu m'as dit que c'était quoi l'adresse de ton serveur 5? 192.168.2.1. T'es dessus là. Oui, c'était écrit là. C'est écrit juste au-dessus là. T'étais sur le serveur 5. Je sais plus où j'ai mis le plan. C'est pas grave, c'est écrit là. 2.1. Ok. De quoi? Donc ça, c'est bon. C'est normal que ce soit bon parce qu'il t'a dit ça marche sur toutes les autres machines. C'est juste le donc client. C'est obligé que le DNS il est bien configuré, ça fonctionne, tout va bien. Il a dit sauf ce client là. Attends, mais il n'y aurait pas un parcours. Le pare-feu va bloquer ton client. Et oui. Internet. C'est tous des petits rebelles. Est-ce que. Mais il est bizarre de flash ce client parce que flash. Il affiche alerte météo, il affiche les trucs de recherche comme s'il était connecté à Internet. Oh. Il affiche même le panneau là, des widgets et des news. Ton client 1, il est sur le LAN 1. Toi, il a dit. Ah mais ça marchait tout à l'heure. Ah, nous rencontrons quelques difficultés apparemment. Ça doit être des trucs qu'il avait en cache. Alors il y en a certains qui ont des petits soucis. S'il y a des trucs qui fonctionnent pas trop. Fais voir ton plan. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit quand je vous ai parlé de procédure de dépannage du réseau? Oui, je... Il y avait des choses qu'il fallait vérifier. Dans un certain ordre. Oui. Premier truc que vous vérifiez, c'était quoi? La couche physique. Mm-hmm. Puis, c'était quoi après? Protocole. Et pour vérifier la couche protocole, vous faisiez quoi comme commande? IPconfig. Et grâce à IPconfig, ça vous affichait quoi? L'adresse IP, le masque et... Et la passerelle. Et la passerelle. Mm-hmm. Et donc... La vérification, c'était est-ce que c'est la bonne adresse, est-ce que c'est le bon masque et est-ce que c'est la bonne passerelle. Vous devez maintenant rajouter une quatrième vérification qui est-ce que j'ai le DNS et est-ce que c'est le bon DNS. Attention, pour l'afficher, c'est pas ipconfig. C'est ipconfig/all. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans tous vos dépannages, réseau évidemment, vous devez tout le temps vérifier 4 choses. Adresse IP, masque, passerelle et serveur DNS. Et vérifier est-ce que c'est la bonne adresse du serveur DNS. Est-ce que c'est le bon truc? C'est le cas. C'est le cas. Non. Et donc qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce qui ne fonctionne pas, c'est... Est-ce que le ping www.domol.fr fonctionne? Non, c'est fr. Eh oui, mais c'est la liberté chez lui. Hein. Il y a des instructions, mais on n'en a rien à faire. Ça ping pas. Alors tu peux tenter ipconfig /flushdns. Je crois que c'était en flash. Il y en a quelques-uns avec qui j'avais dit de faire ça. Mais je ne l'ai pas encore expliqué celui-là. Je ne l'ai pas expliqué donc je dis rien. Et là je refais mon ping. Deux fois flèche du haut. Le pire c'est que je connaissais déjà. Ah bah en plus. Et son masque. Et le D, c'est la gaffe. Déjà c'est autre chose. C'est pas là le problème. C'est long. Est-ce que tu peux essayer de pinguer l'adresse du serveur DNS, s'il te plaît? Non, mais non, c'est ça, non. C'était l'adresse IP. Ah!
Eh bien déjà, on dirait que c'est un problème. Si le client ne peut pas joindre le serveur DNS, comment voulez-vous qu'il l'interroge ? Non, mais déjà, il y avait un truc... Non, mais il n'y a pas, déjà. Donc, ça ne peut pas fonctionner. D'abord, il faut que le client puisse pinguer le serveur DNS. Il faut résoudre ça d'abord. C'est pas la peine de continuer. Ah, donc, mais c'est là où, par exemple, il ne faut pas essayer d'ouvrir un navigateur, de pinguer un FQDL, c'est même pas la peine. J'avais pingé le serveur DNS, j'avais vu que ça fonctionnait. Ah bah donc, vous pouvez faire un effort. Donc là, c'est pas un problème de DNS, là c'est un problème de routage. C'est le routage le problème. Bah alors voilà, donc tu peux oublier DNS, DHCP, tout ça, il y a un problème de routage là. Dans sa maquette, il y a un problème de routage. Voilà, ce client... En tout cas, à destination de 172.16.2.1. Donc, quand même, le truc très étrange qu'il avait, c'est qu'il avait comme adresse IP sur le dernier octet, .4, qui n'est pas dans l'étendue. C'est la 7. Et donc, j'ai été vérifier l'étendue, et l'étendue part bien de 101, va bien de 101 à 102. Et qu'est-ce que tu as fait pour arriver, pour remettre... 101, c'est parce que ton... Attends, qu'est-ce que j'ai fait ? On passe par défaut, c'est 10. Je sais plus ce que j'ai fait. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait ncpa.cpl pour voir s'il n'y avait pas une IP fixe. Oui, mais il n'y a pas d'IP fixe. Non, c'est pas le cas. L'étendue est bonne et t'as changé un truc, ouais. Je sais plus. Ah bah oui, mais alors... Alors, il a fait des trucs, mais on ne se souvient pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne se souvient plus. Ah, cette machine là, reviens sur ton client. On va faire les choses dans l'ordre. Il est sur quel vSwitch ? Couche fusée. Sur la une. Ah oui, c'est parce que c'était ça, j'ai changé la vSwitch. Ah là, il est sur quel vSwitch donc ? Le 1, privé. Et lui, il avait mis sur externe. C'est pour ça que ça fonctionnait pas. Et tu t'étonnes qu'il ait réussi à se connecter à Internet ? Oui. Non, mais ça c'est... Ah, ça oui, d'accord. On s'en souvient maintenant. On s'est dit, quand, une fois qu'elle a rétabli, qu'elle a corrigé le problème, ça devrait fonctionner. Bah, j'en sais rien. On fait les choses dans l'ordre. Donc, bah, tu vas faire les selon. Tu peux me vérifier le vSwitch, s'il te plaît. Clique. Ah oui. Ok. Il y a eu un petit passage dans le VLAN 2, on dirait. Non, fronce pas les sourcils, je vois, il y a écrit 2, là, sur l'ID. Il arrive pas tout seul, le 2. Ok, c'est pas grave. Attends, okay. Où est-ce que tu vois ça ? Là, ça. Là, ça. D'accord. Ouais. Ah, mais il faut effacer ses traces quand on fait des conneries. Mais il est désactivé, donc ça fait n'importe quoi. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit que c'était activé, j'ai dit que ça a eu été. Oui, ça... Ouais, bon, ça va, c'est pas grave. Ok. Allez, ipconfig sachol. Dans l'ordre. Hop. Alors, 10.2.0.101. Ok. 10.22. Ah oui, c'est le LAN 1, ça. Stop. Arrêt de l'image, arrêt du son. C'est la passerelle. Chers amis, lorsque vous faites ipconfig/all, il y a une vérification à faire. Quelles sont les 4 choses qu'il faut vérifier maintenant ? Est-ce que j'en rajoute une quatrième ? Premièrement, il faut vérifier l'adresse IP, le masque, la passerelle, et maintenant, chers amis, dans ce que vous voyez dans le stream, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous choque ? Oui. Oui ? Moi, je suis doublement choqué. Carrément, double choc. L'option d'étendue, je vois, là, je l'ai devant les yeux, elle a bien la bonne... Attends, oui, elle a la bonne passerelle par défaut. Ah, mais j'en sais rien, moi, déjà, je vois ça. Donc, question, y a-t-il quelque chose qui fait que ça ne peut pas fonctionner ? Le masque est pas bon. Le masque, il est très bon ? Non, c'est pas ça. C'est faux ? C'est la passerelle. C'est la passerelle ? Ah oui, il est en 10.2. Et la passerelle, pour fonctionner, doit être dans le même numéro de réseau que la machine. Oui. C'est impossible. Ça ne peut pas fonctionner. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle a cette passerelle ? Ah, mais ça !
Mais arrête, putain. Vous allez arrêter de faire ça. Concentrez-vous sur la solution. Mais pourquoi est-ce arrivé? C'était un mardi, pourtant. Pourtant... Ma femme me dit toujours, concentre-toi sur la solution du problème. Mais je comprends pas, j'en ai rien à foutre, pourquoi c'est arrivé? Il faut corriger le problème. Donc le problème c'est, allons voir dans l'option détendue du lanin. Eh ben je vois que l'option détendue du lanin, c'est pas du tout la bonne. Alors toi tu dis, je comprends pas, je l'ai sous les yeux, c'est la bonne. Mais où étaient tes yeux? Dans... Dans son. Ah bah si c'est dans le sien, ça va. Et voilà. La boulette. À la boulette. Et ben voilà. Alors si ça se trouve, dis donc, si on met la bonne passerelle, c'est le tatoué sur le bras droit. Sans la bonne passerelle, t'es foutu. T'as pas voulu faire le tatouage. Et ben voilà. Ah non, mais ça m'a pas... Ah oui, parce qu'il faut que je fasse un DHC relais. Non, un release renew. Ah oui, un release renew. Et je pense que je vais pouvoir le rattraper avec les flèches. Tu l'as déjà fait? Là, dans mon étendue, tu vois, 7, on ne voit pas. Il doit être là. Mais c'était il y a longtemps. Je crois que c'était lundi. Alors, juste avant que tu fasses entrer, oui. C'est pour ce cas de figure-là que je vous dis toujours de faire release renew. L'erreur à ne pas faire, c'est faire que renew. Parce que si vous faites que renew, comme il connaît l'adresse du serveur DHCP, il envoie que les deux dernières trames du DORA, c'est-à-dire le request et le hack, et c'est plus du broadcast. Donc les agents de relais DHCP, ça les intéresse pas ça. Le problème ici, c'est qu'il essaye de joindre un serveur en passant par une passerelle qu'il connaît pas. Là, c'est la merde. Donc faut toujours faire release, renew, et pas que renew. Ah. Oh, une passerelle, que c'est peut-être la bonne. Alors déjà, essaye ping l'adresse IP du serveur. Non mais déjà, est-ce qu'on ping le C172.16.2.1? Ah, on dirait que le DNS répond. Oh. Peut-être maintenant, si on lui donne du WW à manger, il va peut-être nous répondre. Ah, chouette. Pourquoi j'ai un âne dans le champ de recherche? Ah, bah ça, c'est à toi qu'il faut que tu te poses la question quand même. Hein. J'en sais rien. Saucisson d'âne, on va répéter. C'est pas ouf, ça. Non. Oh, j'ai déjà goûté. Non, le sifflard. Non. Le siffleur que le cochon. Ah ouais, que le... J'ai déjà goûté de bœuf, de plein de trucs quand même. Le fouet. Le fouet, c'est le meilleur. Au poivre. Non, pas au poivre, au cochon. C'est-à-dire, en Catalogne, il n'y a pas beaucoup de choses qui me plaisent. Eh ben, merci bien. Mais le fouet, ça c'est vraiment bien. Ça m'a remplacé le cochon. Le saucisson. J'achète plus de saucisson. J'achète plus du fouet. Le fouet, c'est le sang. Eh ben, c'était joli. Alors, il t'a toujours pas dépanné? Non. Qu'est-ce que t'as fait comme panne? T'as modifié le registre, toi? Non, en fait, je peux pinger. Allez. En www. Mais je peux pas aller sur la page internet www.domyg. Bien sûr, le fouet, ça claque. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois rien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur, là? Oh. Ah ouais, carrément.
Besoin d'aide? Non. Non. Ok. Bon. On va laisser faire alors, s'il n'a pas besoin d'aide. Petite question de curiosité, tu vois, maintenant. Le serveur, donc le serveur 5, ouais. On peut le laisser en IP DHCP ou il faut qu'on lui mette une adresse IP fixe? Allez, je sors les armes. Allez, on va faire ça à l'ancienne. Allez, sortir les bâtons. Voilà, sortir le chinaï. Va te calmer un peu. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit concernant les serveurs? Qu'il fallait toujours. Qu'est-ce que tu comprends pas dans toujours en IP fixe? Bah alors pourquoi tu le fais pas? Pourquoi il est en client DHCP là ce serveur? On a essayé les deux solutions, ça marche pas les deux. Mais arrête! Donc là vous essayez sans réfléchir. C'est doigts mouillés. Bon, tiens, je vais mettre client DHCP, on va voir. Et ça, ça claque hein, quand je tape avec. Hein. Je veux dire que ça fait mal celui-là. C'est un des sports que tu faisais avant? Pardon? C'est pas moi, c'est Olivier. C'est un des sports que tu faisais avant? Non, c'est un des sports que faisait un de vos prédécesseurs. Et qui te l'a laissé? Ouais, qui m'en a offert un. Il m'a offert celui-là, il m'a dit tiens, ce sera pour les suivants. Parce que ça me faisait mal à la main à force de donner des calbottes. Je faisais tac, tac, ça me faisait mal et il m'a dit avec ça, tu vois, tu tapes comme ça, ça fait très mal, mais pas à moi. Ah oui, c'est bien. C'est pas mal. C'est pour ça le kiné aussi. Ah, ça c'est pas impossible, parce que ça remonte jusque dans l'épaule à force de taper. Donc il me parlait de la position de travail, il fait ah ouais, le clavier. J'ai dit ah bah non, 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 moi c'est les calbottes. C'est ça qui me fait mal à l'épaule. Christophe, si je veux changer de point FR en point là. Non. Je me suis arrêté à. Pour faire une nouvelle zone. On peut pas renommer une zone. Alors on est où dans les conneries? Et il est sur les deux écrans en même temps là ou il est sur le même? Au serveur d'HCP. Je vois pas ce qui change. Et après j'ai pas noté le serveur. Tu dis quoi? Je me suis arrêté au serveur d'HCP. Non mais arrête de la supprimer là, tu vas pas la supprimer 5 fois la zone. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Toujours pas besoin d'aide? Non. Okay. Pour tous les autres, c'est bon, ça fonctionne? Non. Non? Il fonctionne pas? Non. Allez. Apparemment personne ne veut t'aider, je vais venir. Alors, le GG, qu'est-ce qui fonctionne pas? Hop. Alors, t'es sur ton serveur 5 là? Ouais. Ah là, c'est lui-même. Ouais. Ok, invite de commande s'il te plaît. IP config slash all. Alors, 192.68.10.1. 168.10.253 72.16.10.1. Est-ce que tu ping sur 72.16.10.1 s'il te plaît? Est-ce que tu peux pinguer l'adresse IP du serveur DNS qui est configuré là s'il te plaît? Ça ping, parfait. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur DNS s'il te plaît maintenant? Non, je dis conneries, pardon. Est-ce que tu peux faire un ping de www.domxy.lan? Non, t'as pas écrit ping. Ok. Est-ce que tu peux ouvrir Internet Explorer, s'il te plaît? Sur le serveur 5? Là où t'es, j'étais pas dit de changer de machine. J'ai pas dit de changer de machine. Tu continues, tu ouvres Internet Explorer, s'il te plaît. Ça y est, je suis dessus. Non. Ah non, ça c'est Edge. Ok. Ah! Stop. Activé. Qu'est-ce qu'il y a écrit en gros? Ah! Est-ce que tu peux fermer Internet Explorer, s'il te plaît?
Est-ce que tu peux aller dans ton gestionnaire de serveur, serveur local, et me désactiver la stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer, s'il te plaît? Merci. Est-ce que tu peux ouvrir Internet Explorer, s'il te plaît? Et dans la barre d'adresse, c'est ce que tu veux bien mettre, www.domxy.lan. Ça ne fonctionne pas. T'as bien installé 2IS sur le serveur 5, on peut vérifier? Gestionnaire de serveur. Ah, c'est marrant parce que je le vois pas. Est-ce que tu peux ajouter le rôle 2IS? Parce que pour qu'un serveur web soit serveur web, il faut installer... Non, je veux pas savoir pourquoi. J'en ai rien à foutre de la cause. Non, je veux pas savoir. Tu vas m'inventer comme histoire. Tu vas me dire, ah, c'est la faute d'Olivier, encore, c'est lui... En fait, il était foireux tout à l'heure et je l'ai refait. Oui, mais c'est pas grave. M'en fous. La seule chose qui compte, c'est qu'il n'y a pas 2IS. Bah, c'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est con parce que tout le reste fonctionne. Apparemment. Pour qui d'autre ça fonctionne pas? Ben moi, mais... Non, mais il a levé la main avant toi, là. Ah ouais, non, mais du coup, c'est bon, je suis... C'est juste que même chose, t'avais pas mis 2IS? Non. Non, j'avais pas mis... désactiver les trucs d'internet. Renforcer la stratégie de sécurité renforcée. Voilà. Alors, le G. J'avais la même erreur que C'est-à-dire? J'avais pas mis le 2IS. Ah bah, parfait. Et alors, c'est fait? Serveur 5, normalement. C'est lui qui doit avoir 2IS. Ah bah c'est en cours, oui, bah voilà. Et oui, par exemple, dans une panne comme ça, c'est une panne dans la couche applicative. Bon, c'est plus dans la couche 8, là, le problème, mais... On peut dire les deux. Couche physique, parfait. IP config, trop bien. Le DNS fonctionne parfaitement. Résolution de nom, nickel. Ah oui, mais... Un navigateur ne fait qu'afficher des pages web d'un serveur web. Bah, ton serveur web, je le ping, ouais, il est démarré, super. Oui, mais il n'y a pas de 2IS. Il n'y a pas de serveur web, donc. Donc, les navigateurs, ils peuvent rien afficher. C'est pas grave, mais ça montre bien, vous voyez, l'empilage des couches. Et là, c'est dans la dernière couche, alors qu'avant, il y avait un problème de routage. La passerelle par défaut, c'était pas la bonne, et pourtant, il y avait 2IS, le DNS était correctement configuré, etc., etc. Toutes les couches dépendent les unes des autres. Et tu vois... Dans ce que j'ai fait dépannage, on a fait dans l'ordre. IP config, est-ce que je ping le DNS? Oui, est-ce que la résolution dans les bonnes? Oui, c'est la bonne IP. Ok, bah couche applicative maintenant. Ah, bah il n'y a pas 2IS. Bah voilà, il n'y a pas 2IS. Ping. Pour qui ça fonctionne pas encore? Regarder le switch avant. Là, ça ne pas. Mais vu qu'il a une adresse IP, c'était bon. Ah oui. Pardon, il reste qui? Ah oui, non, mais ici, il n'y a pas d'aide ici. Donc, j'aide pas. Vous voulez pas d'aide, j'aide pas. Hein. À part eux qui veulent pas être aidés. Pour tout le reste du monde, c'est bon? Mais ça fonctionne. Bah parfait. Nickel, ça fonctionne. Ça fonctionne pas? Alors... C'est bon, besoin d'aide? Oui, besoin d'aide. Ah! Ça y est! Un mayday a été envoyé. Eh ben, il est 12h30. C'est donc on va aller manger. On va passer après la pause déjeuner. Voilà. Le problème sera toujours là. Allez, bon appétit! Tac. Tac.